Sainte Marie, Mère de Dieu,
La parole de Dieu dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Thank you.
Ceux de nos familles et parmi nos amis qui sont dans les loges ésotériques, tous ceux qui pratiquent l'occultisme,
Tous ceux qui s'égarent sur les chemins de ténèbres, mettant en péril leur salut éternel auprès de toi. Pour tous ceux qui s'adonnent à tout cet occultisme à cause des biens de la terre et qui finiront par tout perdre jusqu'à leur âme. Que ta lumière, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, parvienne jusqu'à chacun d'entre eux, afin qu'ils sortent des ténèbres à temps et puissent obtenir le salut éternel auprès de toi. Te disons merci. Merci pour le souffle de vie de chaque jour. Nous devons te confier tous les âmes et les gâteaux, les âmes sacerdotales. Et on a tous les religieux et les dieux qui attendent de l'Église. Nous nous comptons cet amour du corps, nous prions encore pour nos pères. Viens, Vincent. Nous te prions pour toutes les intentions de notre part de France. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, te confier la vie de Jésus dans cette démarche. Encore beaucoup de grâces dont tu as besoin, plein de problèmes dans cette affaire. Nous te confions encore l'âme de Seigneur, plus de l'humain que de l'humain. Pour l'alternance heureuse des saisons, pour les bienfaits de la pluie et des vents, invoquons le Seigneur qui gouverne le monde.